Il y a l'accès au fleuve et des airs de petits villages d'un côté. Et de l'autre, des terrains contaminés qui attendent une nouvelle vocation. Il y a une qualité de vie paisible pour une population plus âgée que la moyenne montréalaise. Mais aussi une multiplication des événements violents. Un, l'inflation. Deux, la santé. Trois, la sécurité. Ce sont les trois sujets qui reviennent immanquablement aux portes avec les gens. Karine Boivin-Roy, qui espérait être élue avec Denis Coderre aux dernières élections municipales, veut passer au palier supérieur. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Et il se chuchote que la nouvelle caquiste a l'ambition de ravir au Parti libéral la circonscription Anjou-Louis Riel, représentée par Lise Thériault pendant 20 ans. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Un nouveau centre médical qui serait ouvert à proximité. Également, la rénovation et puis la modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Sur ces questions de santé, la gestion de la pandémie pourrait faire basculer ces deux électrices péquistes vers la CAQ. Ce qui les retient, c'est un éventuel raz-de-marée bleu-poudre. Démocratiquement, j'aimerais qu'il y ait de l'opposition. J'aime pas là, les gens qui sont trop en avance. Un peu plus loin, dans l'Est... Moi, c'est Jocelyn de Saint-Germain, candidat du PQ dans Pointe-aux-Trembles. Il dit comprendre ceux qui ont eu le goût de l'aventure caquiste, mais il croit au retour de ses électeurs. Moi, j'ai fait partie de cette cohorte de gens qui ont été déçus dans les dernières années du Parti québécois, et le Parti québécois est revenu sur sa mission fondamentale. Je pense qu'ici, on a un rôle à jouer pour renverser le déclin du français et faire en sorte que Montréal redevienne la ville qu'elle doit être, ou la métropole française d'Amérique. Libérer le potentiel de l'Est, c'est le vœu formulé à répétition par les élus et candidats ces dernières années. Et sur le terrain, les acteurs attendent encore. Ça prend deux pôles d'innovation dans l'Est de Montréal. Ça nous prend un mode de transport structurant qui nous connecte directement au centre-ville. Et il faut aussi accélérer la décontamination des sols. Il y a des sommes qui ont été réservées, mais là, il faut l'accélérer. Le désenclavement du territoire doit passer par le futur REM de l'Est qui est de retour sur la planche à dessin. Ce jour-là, une salle comble assiste à une présentation d'une autre version du REM, proposée par deux anciens du comité d'experts. Ils critiquent l'efficacité du projet sur la table en ce moment, qui ne se rend pas jusqu'au centre-ville. Ils suggèrent d'ajouter ce lien en tunnel. J'entends un appui presque unanime. On a aujourd'hui dans la salle tout ce qui peut être représentatif de l'Est de Montréal, des tables de quartier aux entreprises privées, des institutions d'enseignement au CIUS de l'Est. Je crois que tous les pouvoirs politiques vont être à l'écoute. C'est une bonne proposition. Le député sortant de La Fontaine appuie cette idée d'une connexion directe, même si elle n'est pas chiffrée. Mais avant les questions de transport, celui qui espère être réélu pour la quatrième fois entend d'abord agir pour la sécurité. Nous voulons qu'il y ait davantage d'interventions en amont, soutenir nos organismes communautaires, soutenir nos intervenantes et intervenants de rue qui travaillent sur le terrain et qui viennent notamment diminuer l'attractivité des gangs de rue sur nos jeunes. Dans ces trois bastions libéraux ou caquistes, Québec solidaire et le Parti conservateur risquent de récolter des appuis insuffisants pour faire pencher la balance. Mais que ce soit avec un vent de changement ou de continuité, les résidents de l'Est ne veulent plus du statu quo. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.